is at the door. Bienvenue à vous, chers auditeurs de la Doulos FM, et bienvenue à ce programme spécial, cette émission spéciale avec le révérend prophète Ferdinand Ekane. Nous allons parler des conséquences que pose le confinement. Et voilà, sur ce plateau, je suis l'aspirante Emmanuelle, et je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Daniel Gadio. Bonjour Daniel. Bonjour aspirante, bonjour révérend prophète Ferdinand Ekane et à tous les auditeurs de Doulos FM. Bonjour à vous révérend prophète. Bonjour, bonjour à vous aussi. Donc, nous allons parler maintenant des conséquences que pose le confinement. Révérend prophète, que pensez-vous d'abord du confinement? Je crois déjà, mon avis, que le confinement, ça montre tout simplement la responsabilité des gouvernements. Ça veut dire que c'est une mesure drastique, c'est une mesure ultime, c'est une mesure sans pareil. Je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, je n'ai pas fait de recherche dans ce sens-là, il y a déjà eu un confinement mondial et universel, comme ça l'a été. Donc, je veux dire que l'humanité a marqué un point qui sera indélébile dans l'histoire des contagions, dans l'histoire des pandémies. Les générations qui viennent après nous, elles en parleront toujours et toujours, jusqu'à ce que peut-être l'histoire de l'humanité vienne à sa fin. Donc, le confinement, c'est une mesure nécessaire, c'est une mesure ultime, c'est une mesure brutale, je crois que c'est un peu comme l'arsenal lourd pour lutter contre la pandémie, pour mettre fin à l'expansion de la pandémie. Alors il faut dire que puisqu'on parle justement des conséquences que pose ce confinement, c'est vrai que c'est une mesure gouvernementale pour limiter la propagation de la pandémie, mais elle a également ses mauvais côtés. Donc nous sommes là justement pour parler des problèmes que pose le confinement. Il faut dire déjà, révérend prophète Ferdinand Ekane, que parmi les domaines qui sont touchés par le confinement, on a l'économie notamment, avec la surenchère dans les marchés. Les ménages n'ont pas la possibilité de s'acheter assez de nourriture. On a les activités qui sont paralysés. Déjà, il faut dire que lorsqu'on parle des retombées économiques, on ne va pas d'abord évoquer le fait des économies des États qui sont touchés. Je voudrais d'abord parler des économies individuelles qui tarissent. Vous voyez, les provisions financières sont en train de s'épuiser, de s'amenuiser, et certaines personnes sont déjà époustouflées par le confinement. Et ça, il faut dire qu'on le ressentira encore davantage dans les nations où le confinement a été généralisé, comme en Chine, comme en Italie, comme en Espagne, etc. Où on ne voit personne, comme en France à un certain moment, ou dans certaines zones, où à un certain moment, on ne voit personne en route, personne ne travaille, rien ne fonctionne. Donc avant de regarder ce que les gouvernements perdent, je voudrais d'abord parler de ce que les individus perdent. Voilà. Voici un peu comment la chose se présente. Vous n'allez pas au travail, ça c'est clair, et pas de travail, pas de salaire. Et supposons que vous aviez une petite réserve financière, et puis cette réserve financière finalement finit par tarir. Et entre autres, l'une des conséquences directes économiques sur le marché du confinement, c'est que il y a flambé des prix des denrées, que ce soit alimentaires ou bien d'autres objets qui soient nécessaires à la vie quotidienne. Donc, et là, vous avez quelqu'un qui ne travaille plus, qui n'est plus payé, et donc la vie, c'est-à-dire au marché, les choses sont doublées, ont triplé parfois, ou même quadruplé. Et donc, vous voyez, la personne avec son salaire déjà, quand il n'y avait pas de confinement, ne s'en sortait pas déjà bien. Et actuellement, il n'y a plus de salaire. Et ce que la personne achetait à 250 coûte 750 francs. Vous voyez, ça pose un réel problème au niveau individuel, au niveau des familles. Et automatiquement, les familles se sentent touchées. Et si un individu est touché, ça veut dire que toutes les autres personnes, toute la chaîne familiale est aussi influencée par cela. Donc, comment donc gérer ce problème? Lorsque vous regardez les cache-nez aujourd'hui, et ceux qui sont faits de façon artisanale à la maison, ça coûte 500 francs.
Imaginons-nous une personne, il y a des Camerounais qui touchent 15 000 francs par mois, d'autres même 10 000 francs. Il y a des ménagères qui touchent 10 000 francs. Prenons le cas du ménagère qui touche 10 000 francs par mois. Et que dans sa famille, avec la contiguïté et l'exiguïté des familles que nous connaissons en Afrique aujourd'hui, au Cameroun aussi. Alors, à partir de ce moment, supposons que dans la famille, dans la maison, il y ait 10 personnes. Et il y a une loi qui exige que chaque Camerounais puisse avoir son masque. Et nous sommes environ 25 millions d'habitants. Et là, cette ménagère-ci doit acheter 10 masques pour sa maison, pour 10 personnes. Alors automatiquement, ça lui fera 5 000 francs dans son salaire. Il lui restera 5 000 francs. Et avec les 5 000 francs, les prix de tomates, les prix du citron, le citron qui coûtait 50 francs, un seul citron coûte 250 francs actuellement au Cameroun. Donc, et là, vous voyez, la vie devient compliquée, elle devient difficile. Le bailleur aussi comprendra que c'est une question de confinement, parce que lui-même est influencé par le confinement. Ses affaires aussi sont bloquées, et ses locataires lui expliquent que non, on n'a plus de moyens parce que on ne travaille plus. Ou alors, il y a la flambée de prix, j'ai acheté les cachinets pour toute la famille, parce que chacun devrait en avoir. À ce moment-là, il y a un désordre économique, il y a une catastrophe économique. Ça veut dire que si le confinement perdure, il y aura des choses qu'il faudra supporter après cela. Dans tous les cas, ce n'est pas une situation qui peut mettre long. Il faut que le gouvernement puisse prendre cela en considération. Ça ne peut pas aller sur une très longue période, vous voyez. Parce que vous voyez, le bailleur, si le locataire, et quelqu'un m'a fait signe l'autre jour, prophète vraiment aidez-nous parce qu'on n'a pas de travail et dont le bailleur ne comprend pas. Ouais. Et là, ça va causer des problèmes. Et je pense que ce n'est pas la seule personne qui souffre d'une chose comme celle-là. Et si le bailleur dira, ok, à cause du confinement, et donc je veux comprendre, rester sans payer, ça pose un réel problème. Et ça, c'est à plusieurs échelons. Il faut dire qu'en dehors de cela, il y a des factures qui doivent être payées. Et Néo ne cesse pas d'envoyer les factures d'électricité. Là aussi, ça pose un réel problème. Le gouvernement doit comprendre. Si nous arrêtons de travailler et qu'on ne peut plus produire, il n'y a plus de productivité. Alors, à partir de ce moment, le gouvernement devrait considérer cela. Ça veut dire que des sociétés gouvernementales ou bien comme Eneo, qui ont des sociétés comme Eneo ou bien c'est Camwater, etc., devraient aussi considérer le confinement, la mesure confinement, comprendre que les gens ne travaillent plus comme avant. Et donc, à partir de ce moment, est-ce qu'on ne peut pas faire payer 50% de nos factures? C'est-à-dire que dit aux gens, si votre facture c'est 10 000 francs, alors on vous dit, ok, battez-vous pour payer au moins 5 000 francs. Je pense que le gouvernement devrait songer à cela. La même chose sur le plan des impôts. Ça veut dire que je pense qu'il faudrait essayer de regarder aussi les impôts. On ne peut pas vous demander des impôts lorsque votre institut, par exemple, est fermé. Ouais, là, ça pose un réel problème. Il faudrait que l'on essaye, le gouvernement essaye de bien mûrir. L'idée, pas seulement le gouvernement camerounais, parce que chez nous-mêmes, quand même, on sort, vous voyez, mais dans d'autres nations, c'est stoppé. Il y a, par exemple, au Congo, il y a des zones où il ne faut même pas passer. Tout est fermé, tous les magasins. Et est-ce que, après cela, on apportera des impôts? Le gouvernement demandera à ces institutions de payer leurs impôts. Je pense qu'il faut regarder cela. Nous avons des grandes sociétés téléphoniques comme Orange, MTN, qui devraient aussi comprendre que le confinement, il y a des influences financières sur la population et réduit de 50% par exemple les factures téléphoniques, les forfaits téléphoniques. Ce sera, on comprendra que voici des philanthropes et philanthropes et qu'ils sont en train de travailler pour participer aussi à combattre contre le Covid-19. Mais si on nous laisse les factures, la même chose, tandis qu'on n'a plus de travail, on n'a plus de salaire, je pense que là, on sera asphyxié. Ok, révérend prophète, en plus de l'économie, nous réalisons que l'une des conséquences du confinement est que ça peut aussi être cause de délinquance juvénile. Plusieurs jeunes se versent maintenant dans les réseaux sociaux pour mettre du n'importe quoi. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Je pense que en ce qui concerne les fake news dans les réseaux sociaux, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, vous voyez. Je crois que parlant des conséquences du confinement, j'étais en train de réfléchir à cela cette nuit. Lorsque je me suis posé des questions,
Considérons, vous voyez, la société est divisée en couches. Il y a des couches sociales. Et il y a des couches fragilisées, il y a des couches vulnérables. Et prenons par exemple le cas des vieilles personnes, des personnes âgées, qui vivent aux dépens de leur famille, voyez, et qu'il y a confinement. Alors automatiquement, ces personnes âgées seront coupées de l'approvisionnement dont elles bénéficiaient auprès des membres de leur famille. Et là, ça posera un réel problème, parce que ces personnes âgées, automatiquement, n'ayant plus de quoi manger, de quoi subsister, sur le plan immunitaire, sont déjà fragilisées et elles vont mourir. Et elles mourront pas du coronavirus, mais elles mourront certainement de la faim. Vous voyez. Et on va attribuer leur mort au coronavirus. Vous imaginez, dans un quartier, on trouve 5 vieilles personnes qui sont mortes le matin, chacune dans sa maison. Immédiatement, la conclusion sera que c'est le coronavirus qui les a tués. Mais cependant, il faut comprendre qu'à long terme, le confinement va éliminer les couches fragiles, les couches sensibles, comme les vieilles personnes qui n'ont plus la force, ni les moyens, ni les capacités de sortir travailler. Et donc, qui vivent aux dépens de leur famille, ça veut dire de ceux qui, dans leur famille, étaient encore vigoureux. Et là, ceux-ci, malgré leur vigueur, sont aussi confinés dans leur maison et ne peuvent pas sortir pour chercher à manger, pour nourrir leurs grands-parents. Automatiquement, les grands-parents sont exposés à la faim et ils mourront pas du coronavirus, mais ils mourront de la faim. Donc, je pense que ça, c'est des choses qu'il faudrait que nous puissions considérer et trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas des dégâts collatéraux. Ça veut dire que les mesures de confinement ne fassent pas plus de dégâts que le coronavirus lui-même. Ouais. Donc, ça, c'est la responsabilité de ceux qui prennent les décisions. Nous, nous observons et nous faisons part de ce que nous observons, nous donnons notre point de vue. Et maintenant, à eux qui décident, qui prennent les décisions, de dire, ok, voici ce que nous allons. Prenons même, il y a encore une autre couche de personnes. Prenons la couche de personnes malades. Vous savez qu'il y a des personnes qui vivent aux dépens de leur famille. Ou bien qui vivent aux dépens d'autres personnes. Peut-être qu'ils ne sont pas forcément de leur famille. Il y a des personnes malades qui ne peuvent pas sortir chercher à manger, qui ne peuvent pas se battre. Et donc, dans ces cas-là, s'il y a confinement et que le confinement perdure, les personnes chargées de prendre soin de ces personnes malades et invalides n'auront plus de ressources pour elles-mêmes déjà. Alors, automatiquement, la chaîne est compromise. Ça fait que ces personnes-ci, invalidées par la maladie et par les insuffisances physiques ou physiologiques, ne peuvent plus avoir à manger parce que leur source d'approvisionnement a été coupée. Automatiquement, elles ont deux ennemis désormais. Elles ont d'abord la maladie et puis elles ont la faim. Et si ceux qui sont chargés de les nourrir sont confinés pour longtemps ou bien n'ont plus de moyens de subsistance eux-mêmes déjà, automatiquement, ceux-ci, parce que fragilisés, exposés par la maladie, vont mourir de la faim. Ouais. Et quand ils mourront de la faim, on dira non, c'est le coronavirus. On attribuera tous ces morts au coronavirus. Donc, il faudrait discerner et faire la part des choses entre ceux qui meurent du coronavirus ou alors et ceux qui meurent des mesures prises pour lutter contre le coronavirus, entre autres, le confinement. Voilà, homme de Dieu, parlons justement de cette chaîne. On a les producteurs et on a aussi les consommateurs. Mais si, par exemple, les producteurs qui sont notamment des personnes qui vont dans le champ ne peuvent plus cultiver la terre, il y a un manque de main d'œuvre dans les champs. Il y aura plus aussi production de denrées alimentaires. On risque d'être à court. Oui, je pense que ça, c'est une conséquence automatiquement. Et je crois que c'est pour cela que certaines personnes, vous voyez, c'est malheureux parce que dans une période comme celle-ci, il devrait avoir une sorte de synergie entre nous, une sorte d'entraide. Ça veut dire, ça ne devrait pas être un moment où les gens se frottent les mains pour se faire de l'argent. Prenons le cas des pharmacies. Il y a des pharmacies, vous achetez un masque à 2000 quelque chose. Et pourquoi les pharmacies ne pourraient pas casser le prix des masques, par exemple? Parce que tous les Camerounais ne peuvent pas s'offrir un masque à 2000 quelque chose. C'est ça la vérité. Donc, je pense que il y a toutes ces conséquences-là. Chacun, pour aider la nation, devrait prendre des décisions à son niveau.
C'est-à-dire que dire que, ok, à mon niveau, puisque je suis producteur, je baisse le prix. Pour que sur le marché, les gens, sachant que les gens n'ont plus des entrées financières, que les gens puissent quand même avoir accès aux aliments, accès aux médicaments, accès à tout ce qui est nécessaire pour pouvoir surmonter cette dure épreuve. Mais, malheureusement, l'esprit général est contraire à la déontologie de la bienséance. Ça veut dire que les gens profitent plutôt pour s'enrichir, on augmente les prix, il y a inflation des prix sur le marché et puis les gens veulent profiter au maximum de ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que même dans les pharmacies, il y a parfois quand vous partez d'une pharmacie à une autre pharmacie, vous trouvez que dans cette pharmacie-ci, le même médicament, il y a 500 au-dessus. Dans l'autre pharmacie, c'est 1500 au-dessus. Il y en a même 2300 au-dessus du même comprimé. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ok, c'est nécessaire, les gens vont acheter, ils sont forcés d'acheter, ils sont obligés, sinon, personne ne veut mourir. Et donc là, ça pose un réel problème de conscience. Donc je pense qu'ici aussi, il faut une sorte de conscientisation de la société. Et il faut que les gens puissent comprendre que c'est pas le bon moment de s'enrichir. C'est mal calculé. C'est-à-dire que c'est contraire à l'humanité. Donc, il faut manifester de l'humanité. Il faut manifester de l'empathie, de la sympathie vis-à-vis de ceux qui souffrent. Et puis, se dire, ok, j'ai vu par exemple certaines sociétés décider de fabriquer des masques et les distribuer gratuitement. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Voilà, c'est important. C'est-à-dire de voir un bailleur qui dise à ses locataires, ok, nous mettons le loyer, nous allons percevoir 50% du loyer ce mois ou bien pendant la période de confinement. Donc, voilà les actions que nous devions prendre au Cameroun. Donc, je pense que c'est important. La même chose pour les conducteurs moto, taxi. Chacun devrait dire, ok, nous baissons les prix. Et les grandes sociétés d'essence comme Total, Shell, Total, Oilibia, Tradex, etc. devraient eux aussi baisser les prix de l'essence, parce que si on ne baisse pas le prix de l'essence, et ceux, la Sonara qui le livre devrait aussi baisser. C'est comme ça qu'il faut lutter contre le coronavirus, parce que si nous luttons seulement sur le plan médical, nous prenons des mesures drastiques sur le plan médical, sur le plan économique, nous ferons de grandes victimes. Ça veut dire que ces mesures-là vont tuer beaucoup de personnes. Mais cependant, si on organise les choses en sorte que de l'amont à l'aval, il y ait des réductions, ça veut dire au moins de 50%, 50%, alors là, ce sera important et on va lutter en même temps sur le plan sanitaire et en même temps, on va assouplir le plan financier. Ça veut dire qu'on doit baisser le niveau de vie parce qu'il n'y a plus d'entrée. Or, maintenant, c'est le contraire. Le niveau de vie est élevé pendant qu'il n'y a plus d'entrée. Vous voyez, et là, automatiquement, les gens vont suffoquer. Donc, si la Sonara révisait le prix du pétrole pour que ces grandes firmes Total, Tradex et tout cela puissent aussi baisser le prix du carburant, alors ça ferait que ça permettrait au taximan lui aussi de baisser le prix du transport. Mais si le taximan baisse le prix du transport et que le litre du carburant est au même prix, alors automatiquement, lui, il va suffoquer. C'est lui qui sera perdant dans l'affaire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'autres mesures comme celle-là qu'il faut prendre. Donc, ce que je dis, c'est que les mesures ne doivent pas être seulement sanitaires, mais il faut un moyen d'accompagnement de mesures financières qui puissent faciliter la vie aux Camerounais et à d'autres nations où le confinement a été maintenu. Voilà. Il faut dire que dans le cadre spirituel, on a aussi de nombreux fidèles qui, ne pouvant plus aller à l'église, se sont comme ça laissés emporter par la dormance spirituelle. Oui, bien entendu. Il faut dire que dans le cadre de l'église aussi, je pense que l'église, bon, c'est vrai qu'actuellement, les églises, on n'a pas de réunion comme avant. Donc, ça veut dire que sur le plan des offrandes, des dîmes, etc., on n'en parle presque plus. Ça veut dire que les gens ne participent pas. Et je pense que c'est normal, parce que c'est une conséquence normale du confinement. Parce que les gens, avant, travaillaient. Et quand une personne travaillait, elle avait de quoi payer son loyer, payer la nutrition pour sa famille, habiller sa famille et mettre de côté son offrande ou bien sa dîme. Maintenant, la personne n'a plus les moyens qu'elle avait avant, elle travaille plus, elle n'a plus d'entrée. Et donc, l'église ne peut plus être exigeante envers l'offrande et la dîme. L'église doit plutôt se préoccuper d'abord sur comment est-ce que les brebis font pour s'en sortir. Est-ce qu'elles mangent? Est-ce qu'elles se vêtissent? Est-ce qu'elles s'en sortent? Est-ce qu'elles payent le loyer, etc.? Donc, si une brebis n'a pas les moyens
c'est-à-dire déjà pour se nourrir, pour payer son loyer, l'Église ne peut pas lui exiger les offrandes. Je pense que Dieu au ciel lui-même comprendrait que en fait la personne est en difficulté. Donc je pense que c'est des choses comme ça, mais sur le plan ecclésiastique quand même, je crois qu'il n'y a pas trop, les brebis ne vont pas ressentir trop cela parce que les brebis, on n'a plus de culte. C'est-à-dire nos cultes massifs ne sont plus et donc les gens gèrent leurs finances comme ils peuvent le faire. L'Église n'est pas là pour exiger. Donc celui qui veut donner l'offrande, il donne de son superflu. Ça veut dire que selon son alliance avec Dieu, mais c'est un moment où l'Église doit plutôt accompagner les fidèles comment faire pour s'en sortir en ces temps difficiles. Et en ce qui concerne justement les fidèles qui se sont relâchés au niveau de la prière, Je pense que c'est plutôt le moment de prier. C'est pas le temps de se relâcher, c'est le temps de prier et de mettre les genoux par terre. Et je crois que le Seigneur nous bénira et la gloire de Dieu se manifestera. Maintenant, j'ai parlé par exemple des personnes malades isolées qui seront tuées par le confinement et non le coronavirus parce que leurs ressources sont épuisées et que les gens chargés de prendre soin d'elles sont confinés et on attribuera certainement leur mort au coronavirus. Donc, maintenant, par exemple, pour des nations où le gouvernement a pris des mesures drastiques de confinement, le gouvernement devra savoir qu'en confinant les gens, le gouvernement devrait prendre des mesures accompagnatrices, c'est-à-dire mettre sur place une commission pour nourrir les personnes pauvres et vulnérables. Sinon, la faim tuera plus de gens que le coronavirus. Quand vous regardez, par exemple, en Italie actuellement, les Italiens sont en train de se plaindre. Les Italiens se plaignent parce que le gouvernement avait promis de payer 50% des salaires. Mais jusqu'à présent, ces salaires n'ont pas été payés. Et en Italie actuellement, j'ai regardé un reportage là-dessus. Il y a des personnes qui se plaignent que leurs économies sont épuisées. Un mois sans travailler et à vivre avec ces économies, leurs économies sont épuisées. Je pense à ceux qui ont par exemple 35 000 francs de salaire par mois. Ils ne peuvent pas vivre un confinement avec leur famille pour un mois. Ou ceux qui ont 10 000 francs de salaire, même ceux qui ont 100 000 francs de salaire. Ils feront comment pour nourrir le mois et la famille pendant tout un mois. Et le confinement perdure et là ça pose un réel problème. Donc le problème, le dessous du confinement, c'est le manque de travail qui produit aussi des salaires. Dans l'absence de salaire. Et puis, la montée des inflations de prix, etc. L'inflation de prix. Donc, ça pose un réel problème. Donc, le gouvernement devrait penser que si nous maintenons nos citoyens, nos concitoyens à la maison et qu'ils ne travaillent pas, comment est-ce qu'ils vont se nourrir? Quelles sont les mesures que nous devons prendre pour leur permettre d'être nourris, pour leur permettre de ne pas mourir de faim? Je pense que, bon, quelqu'un pourrait dire que c'est trop facile de le dire comme ça, mais cependant, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Si les gens ne travaillent pas, si les gens ne sortent pas, si les gens n'ont pas de moyens, si on demande aux gens de rester à la maison, il faudrait trouver aussi une mesure pour aider. Non pas tout le monde, mais ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin d'assistance financière, ceux qui ont besoin de nourriture, le gouvernement pourrait organiser les choses. C'est vrai que dans nos sociétés aujourd'hui, on va organiser pour aider les gens, mais ceux qui sont chargés d'aller acheminer ces choses-là vont plutôt dévier ça dans leur propre maison à cause de l'inconscience et de la corruption. Donc, mais je dis que si les gens doivent rester à la maison, le gouvernement devrait trouver un moyen pour venir en aide au moins aux familles très pauvres qui n'ont plus de moyens, et venir en aide à ceux qui sont malades et qui n'ont pas de moyens d'aller travailler, et venir en aide aux personnes âgées qui ont besoin d'être soutenues sur le plan nutritionnel. Donc là, ça ferait en sorte qu'on combat de façon équitable contre la maladie du COVID-19. Ok, révérend prophète, ma question c'est maintenant sur le plan éducationnel. Est-ce que vous croyez que le gouvernement pourrait aussi trouver des solutions concernant l'éducation de notre jeune génération? Là, je pense que le problème du COVID-19, c'est un problème spontané et donc qui couvre un espace. C'est pas un problème qui va s'éterniser et c'est pas un problème perpète. Ouais, donc, ça veut dire que dès que la mesure sera levée, les étudiants et les élèves retourneront en classe et le gouvernement prendra les mesures. Ce sera difficile pour les élèves de rattraper le programme. C'est un gros défi pour eux parce qu'une journée de perdu sur le plan éducatif, alors c'est de la tâche augmentée et ajoutée aux éducateurs, c'est-à-dire aux professeurs, maîtres, etc. Maintenant,
Lorsqu'on parle du confinement, je voudrais revenir un peu sur les influences du confinement, ce qu'un confinement prolongé pourrait causer. Vous voyez, si le confinement est prolongé et qu'il n'y a pas de mesures accompagnatrices ou accompagnatoires, le gouvernement ne vient pas en aide aux familles et les familles ne se voient pas aidées sur le plan structurel et le plan nutritif, nutritionnel. Alors vous voyez qu'à la longue, ça ne va pas marcher. Les gens vont sortir de leur maison en fait. Et ça va nous conduire à une guerre civile, à une révolte civile. Parce que quelqu'un décidera plutôt de sortir, préférera mourir du Covid-19 en cherchant à manger pour sa famille que de rester sur place sans, et de mourir de faim dans la maison. Donc automatiquement, si les gens restent longtemps sans pouvoir, avoir droit au salaire, sans pouvoir être capable de résoudre leurs problèmes vitaux, alors automatiquement à certains moments, si ça perdure, les gens vont se révolter contre le gouvernement et les gens iront dans les rues certainement. Il y aura des casses, il y aura des cas d'agression, il y aura des cas de braquage. Et je pense que les gens vont viser les familles aisées qui seront braquées en série. Les gens pourront aller casser des magasins, faire des casses pour se ravitailler. Alors les supermarchés ne seraient pas en sécurité. Donc, il a été montré, et ça c'est ce que je vous dis, c'est une étude prouvée, qu'une société, pour révolter une nation, il faut couper sa population de l'alimentation. Une population affamée va rentrer dans son état nature, dans son état de la jungle, et les gens ne comprendront plus, il n'y aura plus ni loi, ni foi, ni loi. Les gens sortiront, les gens chercheront à manger à tout prix. Vous savez que dans la Bible nous a montré par exemple lors de l'assiègement du siège de la Samarie, vous savez que les gens commençaient à se manger. C'est-à-dire que des mères commençaient à manger leurs enfants, etc. Pour dire que les hommes, et vous vous souvenez des deux lépreux à la porte de la ville qui ont dit, ok, nous irons dans le camp de l'ennemi. Si on nous tue, on nous tue, mais on veut manger. Donc c'est pour dire que lorsque la famine, dans cette affaire-ci, on doit faire attention pour que la famine ne devienne pas le plus grand ennemi de nos sociétés. Parce que si la famine devient le plus grand problème, les gens vont se révolter pour chercher à manger. Si les gens savent, vous savez que quand il y a eu la famine en Égypte par exemple, Joseph a pris des mesures drastiques pour empêcher au peuple de se soulever. Et quelquefois, le peuple a voulu se soulever, mais la sagesse de Dieu à travers Joseph a arrêté cela. Donc, on peut dire que dans chaque société où le peuple s'est senti affamé, alors automatiquement, le peuple s'est révolté et puis a banni, a bafoué les lois. Parce que vous savez que les gouvernants sont élus par le peuple. Ils décident et le peuple accepte parce que l'homme est un animal grégaire dont nous vivons en société. Mais il faut comprendre que lorsque la foule se révolte, les dirigeants ne sont plus en sécurité. Les dirigeants sont en sécurité aussi longtemps que le peuple dit oui et que le peuple se soumet. Mais le vrai pouvoir, comme le disait Socrate, Demos Kratos, le vrai pouvoir revient au peuple. Donc, il faut que le gouvernant, en prenant les décisions, puisse aussi essayer de contenir le peuple et prévoir. C'est-à-dire prendre des décisions prévisionnelles pour ne pas laisser que le peuple puisse se sentir offusqué, qu'il se sente influencé et qu'il soit obligé de sortir de la maison. Et si au Cameroun, les 25 millions de Camerounais sortent en route pour commencer à casser le magasin, les supermarchés, aller ici dans les banques chercher l'argent, etc., je pense que là, l'armée ne peut rien faire. Donc, il faut faire attention. Ces mesures-ci, pour finir, ce que je dis, c'est que il faut que le gouvernement, en prenant des mesures de confinement, surtout dans les nations où c'est strict, qu'on puisse se souvenir de ceux qui n'ont pas de moyens, qu'il y ait une commission qui puisse aider, distribuer du riz, par exemple, de l'huile, comme ça, à ces familles, à ces personnes-là, pour que ceux qui ont encore un peu de moyens puissent subsister par eux-mêmes et que ceux qui n'en ont pas, que les États puissent leur venir en aide. Sinon, si ça dure, vous le savez, tout comme moi, il y aura une guerre civile dans nos sociétés. Voilà, parlant justement de guerre civile, il faut dire qu'avec cette pandémie, beaucoup n'ont pas pensé à la décongestion des prisons. Et comme c'était le cas en début de semaine avec la prison de Kondengui, il y a des émeutes qui se font dans les pénitenciers. Bien sûr, parce que si les prisonniers, par exemple, s'il y a un problème là-bas et que le coronavirus entre avec la contiguïté, alors automatiquement,
Les gens vont, les gens voudront pas mourir. Quelqu'un préférerait être prisonnier pour 100 ans que de se voir tuer comme une poule par coronavirus. Donc, je pense que ça, c'est la responsabilité de ceux qui gouvernent. Nous faisons les observations. Maintenant, à eux de prendre les décisions. Mais je dis encore qu'il y a des mesures qu'il faut prendre. Sauf si le confinement doit s'arrêter pour un temps. D'accord, c'est bon. Ouais, mais s'il faut que le confinement continue, ça posera un problème. Maintenant, une autre chose avant de finir, c'est que on parle de faire le test du COVID-19. On fait le test et le test, c'est quoi? J'étais quelque part et puis on m'a mis l'appareil, oui, juste pour regarder ma température. Et on a vu ma température, j'étais 35,5. Et on m'a dit que c'est bon, entrez. Bon, supposons que ma température était à 38. Alors, immédiatement, on m'arrêterait, on m'amènerait parmi les malades du COVID-19. Et on dirait que j'ai le COVID-19. Moi, je pense que si c'est comme ça que ça se passe, c'est pas la meilleure façon. Parce qu'avant le coronavirus, nous, on avait déjà nos fièvres. On avait déjà la grippe. On avait déjà le palu. Ici, donc, on connaissait la fièvre. Donc, quelqu'un pourrait avoir une simple fièvre due à autre chose. Les fièvres peuvent être dues à plusieurs raisons, pas seulement au COVID-19. Donc, ta fièvre est due à... Parce que j'ai suivi dans un pays africain où on disait que... J'ai vu la police dehors et puis il y avait ce thermoflash. Je crois. On mettait, si votre température dépassait 37, on vous amenait immédiatement parmi les confinés, on vous confinait. Pour oui, en quarantaine. Mais entre nous, vraiment. Ça n'a aucun sens. Hein? Si votre température est élevée, ça ne veut pas dire que vous avez le COVID-19. Bon, on vous prendra, on va vous mettre maintenant parmi ceux qui ont alors vraiment le COVID. C'est là-bas que vous serez contaminé. Ça pose un réel problème. Moi, je pense que actuellement, les Occidentaux sont en train de travailler parce que il n'y a pas encore, jusqu'à présent, un moyen fiable pour dépister le COVID-19. C'est ça que les gens doivent savoir. Donc, le dépistage, même en France, est cher. Et ça prend du temps. Il y a des dépistages personnels, ça veut dire individuel, vous achetez ça, c'est chez eux, c'est pas encore chez nous. Hein? En France, par exemple, vous achetez et puis vous piquez, c'est par le sang. On peut vous dépister par les muqueuses, c'est-à-dire que dans la narine ou bien au fond de la gorge. Et puis, on envoie d'abord en laboratoire. On envoie là-bas, on essaye de regarder, est-ce qu'il y a des anticorps anti-COVID-19? On regarde, est-ce qu'il y a des virus en vous? Et là, on détecte le virus. Là, on sait que cette personne est porteuse du COVID-19. Mais on ne peut pas décider ou bien compter le nombre de ceux qui sont infectés du COVID-19 par la température. Mais entre nous, ça pose un réel problème. Donc, moi, je pense que là encore, c'est une autre question qu'il faudrait chercher à résoudre. Donc, quand on déclare malade du COVID-19, ce dont l'examen de la salive ou de la muqueuse nasale ou bien du sang a prouvé l'existence du virus du COVID-19 en eux. Et non pas ceux qui ont une température au-dessus de 37 degrés Celsius. Pour moi, c'est absurde. Voilà, homme de Dieu, on aimerait savoir si vous avez un mot pour la fin. Parfois, il faut changer de formule. Tous les jours, si vous avez un mot pour la fin, il faut changer. On évolue. En confinement, vous avez les mêmes méthodes. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Soyons juste forts. Restons dans la prière et Dieu est avec nous. Et comme j'ai dit, mon mot de la fin, dernièrement, je l'ai aussi évoqué. Nous avons des plantes naturelles et je pense que Dieu nous a bénis. La Bible dit que les fruits, les feuilles de l'arbre de la vie servaient à la guérison des nations. Mais dans tous les cas, il y a un philosophe qui a dit que 80% de notre guérison se trouve dans notre alimentation. Notre santé dépend de ce que nous mangeons. Dans ces plantes naturelles que nous avons, il y a les couques. Vous savez que c'est de les couques que l'on tire la chloroquine, la nivaquine, la quinine, etc. C'est de l'écouque, qui est une écorce que nous avons ici en Afrique, très amère comme ça pour ceux qui ne savent pas. C'est quelque chose d'important pour lutter contre le paludisme, etc. Et vous savez qu'on dit que la chloroquine guérit du COVID-19. Et je crois que c'est ce que le docteur, c'est Raoult, le français, a eu à dire. Et la France a adopté cela, la Chine aussi. Et d'autres pays ont adopté la chloroquine. Le Cameroun aussi a adopté la chloroquine. Et la chloroquine est tirée de l'écorce qu'on appelle les coques. Nous avons aussi l'Artemisia annua, qui est aussi une plante très puissante en ce qui concerne la lutte contre le paludisme. Donc moi je pense qu'on a toutes ces choses-là. Donc n'oublions pas que les feuilles de l'arbre de la vie étaient données pour la guérison des nations. Comme pour dire que Dieu nous a donné dans les plantes la guérison pour beaucoup de maladies. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Merci, révérend prophète Ferdinand Ekane. C'était votre émission avec le révérend prophète Ferdinand Ekane sur les problèmes que pose le confinement. Merci et bonne suite de programme.